Quand on est condamné aux travaux forcés dans l'espace... J'ai la méga flemme. On se sent forcément un peu seul. On donnerait tout pour se faire... de nouveaux amis. J'ai bien besoin d'un câlineur de tête. Mais qui dit nouveaux amis, dit aussi nouveaux ennemis. Cette boule de morve verte, tu n'as même pas idée de ce que c'est. Il a des sentiments. Et tu viens de pisser dessus comme si c'était ta litière. Le Lord Commander le cherche dans toute la galaxie. Inutile de te cacher, car où que tu ailles, il te trouvera. Une catastrophe cosmique se prépare. On dirait bien que c'est chaud pour mes petites miches bien moelleuses. J'ai de chance contre lui? Aucune. Mais à nous deux, on peut y arriver. Gary Goodspeed, au début, il est, c'est un mec, c'est un petit loser qui vole un truc. Enfin voilà, on pense à un petit escroc de quartier. Et il va se retrouver dans un endroit, il va flasher sur une nana, il va vouloir l'impressionner. Il va faire une énorme connerie. Il va se retrouver 5 ans en tôle. Et à la fin, vers la fin de sa peine, il va rencontrer ce petit bonhomme vert qui s'appelle Mooncake, que tout le monde veut avoir. Mignon. Il est trop mignon, Mooncake. C'est le mec le plus adorable. Il va niquer Gizmo des Gremlins. Il est encore plus mignon que Gizmo. C'est quand même pas facile, hein. Et il va tomber dans une aventure folle, quoi. Il y a un méchant, alors c'est des vrais codes du film des années 90. C'est un space opéra, en fait. Ah ouais, exactement, très bonne définition, exactement. C'est vachement bien, space opéra. Tu l'as déposé ou tu l'as déjà entendu, ça? Ça existe, en fait. Ça existe genre, déjà. C'est un genre cinématographique. Non, mais je sais, non, mais le space, avec le space... Ça s'appelle space opéra. Ah ouais. Jupiter Ascending, c'est un space opéra. Star Wars, je connais pas ce truc-là. Star Trek... Star Wars, ça a déjà été... t'as déjà vu Star Wars, c'est un space opéra? Bah, un peu. Ah d'accord, ok. Mais le vrai space opéra, si tu veux, c'est un peu Star Trek, d'accord. Cosmos, 1999, j'avais jamais entendu cette définition pour ce truc-là. Mais c'est une vraie définition, c'est d'analyse filmique. Et bah voilà, et bah, c'est la meilleure définition possible, c'est un space opéra. En fait, c'est marrant, c'est le rôle le plus important que j'ai eu à doubler, donc avec le plus de quantité de texte et tout, et c'est l'interprétation que j'ai eu le moins à forcer, parce que je me retrouve énormément dans le perso et dans l'interprétation de Gary Goodspeed. C'est, il y a de vraies similitudes que moi j'ai sur scène dans le côté... T'es un loser, en fait. Non, mais non, je suis un peu un loser. Bon, on est tous un peu loser, évidemment. Qui n'a jamais pris un millionnaire en tabac et a perdu? Je suis un loser. Là, on est un loser. Mais je suis dans la même veine que Olin Rogers, le créateur, c'est lui qui double aussi Gary Goodspeed. Il est très speed aussi comme ça, très loufoque, très absurde. Et Gary, il a 1000 idées à la seconde, il fait mime. Il est fatigué. Non, j'ai la phrase, je l'ai plus. C'est parti. Il fait plein de sous-parties dans ses phrases. Il parle, il part sur un autre digression. Truc. Digression. C'est ça. J'allais dire des dénigrations. Plein de digressions. Et il en fait énormément dans la série. Et ça, moi, je suis fan. Je suis absolument fan de ça. Un mec qui pense à 1000 trucs et qui dit tout ce qui lui passe par la tête. Il n'a pas de filtre. Exactement. Et c'est ce qui fait qu'il est drôle et maladroit et attachant. Et c'est un super héros pour ça, Gary Goodspeed. Il y a eu des moments de réadaptation obligés parce qu'il y a des expressions américaines qui ne passaient pas. Et avec la labiale, avec William Corrine qui m'a dirigé, qui est un monument dans le doublage, qui fait toutes les voix de South Park notamment. Mmh. Avec William, des fois on planchait, on disait bah, là tu vois ça passe pas, comment on peut faire? Et il me disait bah vas-y, toi comment tu le sens? Et il y a entre 5 et 10 gags qu'on a rajoutés au fur et à mesure de la saison. Et on s'est dit, bon, est-ce qu'on a le droit de le faire? Mais fais-le, s'ils veulent pas, ils nous le diront. Et on n'a pas eu de coup de téléphone de Warner TV. Donc c'est bon. Donc non, ça a été validé. Et je suis content parce que ce matin, on a fait la projo du premier épisode. Et il y a eu des gros rires sur des rajouts qu'il n'y aura que dans la VF. Donc tant mieux. C'est cool. Bah oui, c'est cool. Mais bon, après, le personnage est tellement drôle. Il a tellement écrit des trucs barrés. Cet auteur, Alan Rogers, que évidemment que tu as de la place pour de l'impro. C'est même plus facile. Parce que là, à la base, est très drôle. C'est là que tu peux faire des impros. C'est quand tu as un truc écrit qui marche. En plus, il y a des moments très drôles, évidemment, très absurdes, très intenses, parce qu'il y a vraiment des méchants. Il y a un méchant qui fait même un peu peur. Hein. Qui a une tête bizarre en plus. Ouais, non, mais c'est un mis un Yoda très méchant, quoi. Mm-hmm. Il a fait un mix, il a pris la taille de Yoda, il a mis le méchant, le chef de Dark Vador, qui est trop cute, là. Qui recherche ton iPhone en 2-2 et qui fait Claude François. Je sais plus comment il s'appelait, mais il s'est vraiment flippé. Et donc, t'as ça, non, puis t'as des moments très émouvants. Il y a plein de flashbacks avec son papa. Oui. Qui sont vraiment super, super beaux, quoi. Et il y a des moments très beaux, mais il y a des moments très cons aussi. Il y a des moments complètement surréalistes. Il y a des moments où il part en...
Il va dans une dimension complètement folle, il va rencontrer des personnages, il va rencontrer plein de Gary. Ça, c'est le moment que j'ai préféré. Non, je sais plus c'est quel épisode, Valérie. Gary Moustache, c'est lequel? Bah, moi, c'est mon moment préféré. C'est le moment cultissime pour moi de la saison. C'est, non, mais il voit plein de personnages. Mais regarde, il y a un mini Gary, il y a un Gary à tête d'aigle, il y a un Gary à moustache. Salut Gary, je suis Gary Moustache. Alors t'as pas de moustache toi? Et ça dure 5 minutes. C'était le meilleur moment que j'ai à doubler. Gary Moustache. Bah c'est là, lui, Holland Rogers, je me suis documenté du coup après quand j'ai accepté le truc. Il met un point d'honneur à ce que chaque saison. Il dit, je ne sais pas si ce sera reconduit. Donc la saison 2, elle est en production aux États-Unis. Mmh. Il s'est vraiment mis en tête que chaque saison pouvait être une fin définitive. Okay. Donc, il a dit, j'ai 6 saisons, mais à chaque fin de saison, ça peut être une fin définitive. Mmh. Donc lui, il est vraiment dans la narration et dans l'histoire, dans la quête. Dans la mythologie. Voilà, exactement. Futurama, tu sens que c'est le mec des Simpsons. Donc il s'est dit, je vais durer longtemps. Donc je peux en faire plein. Et voilà, c'est plein d'histoires annexes et tout. Là, tu as vraiment ce truc qui est génial, je trouve. De la fin de l'épisode où tu vois déjà ce qui va se passer, ce qui fait que tu peux tous te les manger d'un coup, quoi. Il y a vraiment un suspense qui se crée. Et t'as des histoires folles, t'as vraiment des quêtes incroyables avec des personnages. Hein. Chaque personnage arrive avec un truc. Mais à nous deux, on peut y arriver. Ferme-la, imbécile! Mais pourquoi il y a autant de marches? Je nous ai sauvés! Non, je t'ai sauvé. Et je t'ai sauvé. Non, c'est faux! Si, c'est vrai! Tu as failli nous faire tuer, Gary. Allez, disons qu'on est quitte. Final Space, la plus comique des aventures cosmiques. Votre nouvelle série inédite, c'est samedi, dès 20h55, sur Warner TV et Warner TV Replay.